Yeah, on vient de se remettre en normal. Et c'est oh parti. Bon, j'ai donné un peu de stuff à Snap, un peu de potions, un peu de bouffe. Parce qu'il avait plus rien, le pauvre. Et ouais. Et alors, on sait que c'est du Silverfish, mais rien à branler. Putain, ça en drop 2 en plus. Fais gaffe, merde. Oh. Fuck. Bah. Ouais, dégage des Silverfish, parce que ce serait bien que je les pète. Shit. Vas-y, recule. Je recule. Voilà. Le but, ça va être... Donc... Ça va être de faire un YOLO. Merde, ça c'est encore... Putain. Excuse. D'avancer comme ça. Pas vraiment le choix. Ouais. Mais du coup, j'ai l'impression que ça c'est de la stone brick... Ah non, c'est pas de la stone brick normale. Oh la vache. Ah, ah merde. Oh. Ok, donc on va arriver à de la bedrock. Ouais, il va falloir qu'on fasse quelque chose donc. On va passer sur la gauche. Ouais. Oh merde, putain. Avance pas quand j'a... Oula. What? Je te vois même pas bouger en fait, c'est ça le truc. Bon, je suis là. Ouais, d'accord. Je retourne derrière, ça bon. Alors moi, ce que j'ai peur, c'est qu'en dessous nous, c'est du Silverfish, ça peut se péter à tout moment aussi. Ah, ça aussi, c'en est. Ok, bon. Oh, merde. Fais gaffe. Oh, merde. Oui, parce que moi, je recule pour les frapper, mais... Ouais, d'accord, mais moi, ils avancent en image par image, donc c'est un peu chiant. Ok, donc la tour a priori... Ok, putain, la vache. Wouhou. Ouais, ça va être la mort, donc. What? Oh, la vache. Ouais, recule. Ouais, y'a des spawners Silverfish, en fait. Aussi, oui. Dégage, ton enculé. Y'a un truc que je propose. Ouais. C'est qu'on joue à YOLO 2. Ça tombe bien, ça correspond au nombre de FPS que j'ai en ce moment. Bon, on va reculer parce qu'il y a des spawners de Silverfish. Putain, la vache. Ouais, d'ailleurs, il y a un Silverfish, là. Meurs, créature de Satan. Voilà. Donc, on va jouer à YOLO 2. On va prendre une potion de... Cette Golden Apple, elle donne combien de régène en temps? Genre 4 secondes peut-être. Non, elle donne que de la régène en plus. Elle donne surtout les deux cœurs jaunes. Là. Ah oui, c'est vrai. Moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse potion de fire resist, golden apple, et la potion de régène après. Ouais. Parce que sinon, la golden apple va niquer la régène. Bon, on fait ça maintenant, puis on fonce alors. On fonce vers la tour, on essaie de se créer un espèce de shelter de 1 sur 1... en cobble. Ouais, du coup, ouais. Et YOLO. Ouais, YOLO. Par contre, juste avant, on va faire un coup de ça, parce que... Oh putain, ouais. Ça va tout de suite mieux. On va ouvrir là. Et je propose qu'on on boive les potions et on remet la normale. Allez. C'est parti. Attaque, merde. Attaque. C'est du pigman. Oh putain. Où est la tour? Bah, putain, ok. Ah putain, merde. Je suis allé beaucoup trop loin en fait. Oh la vache.
suis pas sûr que ce soit même là en fait. Mais ils me suivent en fait. Bon, je ne comprends rien donc je vais certainement crever. Mais... Ok, bon. Voilà. En fait, j'avais rien compris. J'avais les pigman à mon cul. Bon. J'avais les pigman à mon cul, j'ai failli les buter. Mais ouais, ça fallait faire YOLO quoi, hein, y avait pas vraiment le choix. Bon bah on a fait YOLO, hein, voilà. C'était très le YOLO. Voilà. Fuck that shit. Allez, fuck la map. Hein, écoute. Franchement, ouais, quoi. Fuck la map. C'était bien juste cette dernière zone, hein, franchement. Ouais. Mais on avait prévu un truc quand même au cas où on ne finissait pas la map. Oui, donc c'était de vous quitter comme ça? Non. Non. On va juste retourner à la Batcave là. Bah on y est. Oui. Et on va faire une petite ellipse. Mm-hmm. Voilà, les kills c'est ça. Voilà, donc ah, c'est équivalent. Hein. C'est. Putain, c'est serré. On va dire qu'on a fait le même nombre. Ouais, voilà. Vu pour le. Pour pas que tu sois deg, voilà. Et... Bon, disons que c'est équivalent parce que. T'as eu 6 kills de plus, mais t'as eu plus de morts. Bah j'en ai eu 23, écoute, c'est parfait. Voilà, bah écoute, j'en ai eu 5. T'aurais quand même pu, t'aurais au moins pu faire l'effort d'en avoir 92. Non, 4, ça aurait été bien, mais... Ah mais les pigmen, putain, ils étaient juste en face de moi, en fait, il aurait fallu genre une régène 2 ou un truc qui soit plus puissant, et j'aurais pu le faire. Bah je crois que pendant un instant, j'ai vu un mob avec une laine bleue sur la tête. Une laine noire, ouais, c'était des pigmen. Mais fuck that quoi. Mais j'aurais eu le temps de faire le shelter, mais j'étais biflé par. Ils avaient knockback, je sais pas combien. Moi j'ai un gratto. Voilà, moi j'ai un panneau. Je suis un pigman. Grrr. Voilà. Comme ça, c'est parfait. Bit. Donc on jette du cuir, voilà. C'est logique. Y a pas un truc... ouais, bah on va s'armer d'un panneau. Voilà. Et on fait une ellipse. Ouais. Youpi, ellipse, oui. Ellipse dans le cuir. Et la moustache. C'est n'importe quoi. Oui. Yeah. Allez hop, parce que voilà, quand même. Bonsoir. Ouais, là, c'est bon, là. Fin de l'ellipse, avec le tonnerre qui gronde dans le jeu. Et ouais, et bon. Nous qui rentrons au monument après cette défaite cuisante. Avec un steak. Avec un gratto. Bon, bah écoute... On a voilà, tout comme Pierre, bah on a fail la dernière zone, voilà. Le super monument qui restera comme ça. À qui il manque un bloc. RT6 c'est triste. Bonjour. C'est... What? Ça va? Bon, ouais. Alors, j'ai tout vu, je sais tout. Je suis Dieu, voilà. Je reviens dans tes morts. Et bon, voilà. Au revoir. J'ai plein de trucs pour vous, j'ai plein de laine. Hein, c'est ce que vous cherchez. Oui. Mais comme vous étiez un peu des connards avec moi dans les autres séries, bah je sais pas si je dois vous le donner. Oh. Non. À l'attaque. Butez-le. Ah. Oui, on a la laine. On a la laine. Oui, oui, oui. Je l'ai. Ouais. J'ai la laine. Oui, oui. Ça y est, enfin on l'a! On a fini la map! Oh putain! Alors attends, il faut mettre l'item frame! Snap, ne pas faire ça! Oui, bruit, bruit! Oh, si. Meurs, créature de Satan! Si, Brie s'est mis dans son truc! Enfin, Brie, Jésus, tu veux dire? Brijus! Dieu! Brijus! Brijus! Non, que faites-vous? On te tue! Putain, mais tu meurs, oui ou non? C'est quoi? GG! Ouais, toute la laine noire du monde! Wouhou!
Ouais, je gerbe de la laine noire. Oui, je jouis de la laine noire. Orgasme de laine noire. Ouais. Il neige où je suis, j'ai froid. Mais nous, il neige de la laine noire. Va mourir. Ok. Bah voilà. Ah bah putain. Voilà, et avec ça, on va pouvoir créer une bite en laine noire, c'est génial. Oui, un bonhomme de neige ici. Exactement. On va faire une grosse bite en laine noire. Voilà, ça va être la fin de l'épisode sur la création de la bite. La Inferno bite. On va la faire là, voilà. Ouais, là où il n'y a pas d'herbe. Voilà, la première boule. Ah oui, grosse bite. Ah oui, grosse bite, oui, bah bite de noir, hein, écoute. Voilà, et puis il faudrait la faire partir par là, quoi. Ah oui, d'accord. Je crois que tu la faisais en hauteur. Oh non, à plat, hein. Bon, très très longue bite, voilà. Voilà, une bite à la hauteur de nos succès dans cette map. Voilà, Brie a moins bien joué que moi. Ouais, voilà. Bon, ça m'est dur de rattraper Snap. C'est... Voilà, après la bite en cobble, la bite en laine noire. Voilà, et puis on va prendre de la hauteur pour la voir. Voilà, on va se faire une autre petite bite noire. Voilà, la grosse bite noire, voilà. Un peu en mode fusée spatiale. Un peu, ouais, ça ressemble plus vraiment à une bite, là. Alors, il manque un truc, quand même. Je pense que tu es d'accord avec moi. Viens vers le monument. Ah oui, là, tout à fait. Viens me voir. Oui. Et je propose qu'on se mette au-dessus du monument pour ça. Putain. Ah, ok. Alors on va se mettre là. Comment on monte là comme ça, voilà. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Salut, Brie. Au revoir, Brie. Jésus, tu es mort, tu dois dégager. Au revoir, Jésus. Dégager. Bon. C'est dans une gerbade de laine noire. Ouais, de la laine noire de partout. On va se quitter. Eh ouais. C'est la fin d'Inferno Mines. Ouais. Avec cette fin complètement what the fuck. Non, fin totalement épique et méritée. Ouais, voilà, une fin normale. On a gagné, quoi, merde. Bah oui, attends. C'est normal et... Génial. Sensationnel. Non, alors, Brie, voilà. Alors, voilà ce que fait Brie, sauf que nous... Ce que je te propose, c'est qu'on saute dans la lave, là-bas. Derrière nous. Ouais. Allez, on y va à 3. Votre mur, là. Enfin, votre wall. Bon, c'est pas grave. 1. 2. YOLO. Yeah. Ça, c'est de la fin, putain. Ah bah, on est là, maintenant. Ah bah... Ok, bon bah voilà. Voilà. C'est sur ce délire qu'on va arrêter la série. Voilà, c'est là. C'est une bonne fin. Oh putain. Série qui va être remplacée donc par une autre série. Genre. Ouais, ça on verra plus tard. Hein. Voilà, donc Brie qui a détruit notre beau monument. Voilà. Ah mais t'es au monument. Oui, ouais, c'est mérité, voilà, disons. Non, il est pas détruit parce qu'il y a des panneaux. Il survit. Ça va. La laine est sauvée, oui. De toute façon, on s'en fout, on a des preuves vidéo de quand il était rempli, donc rien. Voilà, rien à foutre. Bon, écoute, sur ce... Ouais. Salut à tous. Ouais, j'écoute. T'es en train de cramer notre beau jardin, là. Oui. Ouais, je vous ai aidé à le construire, ce putain de jardin. Et de me cramer moi aussi. Mais what? Bria. Brie, on va essayer de faire une fin normale. Allez. Ah, pardon. Voilà. Bon, Snap, on reste là. Voilà. Ouais, voilà. Bon, on va se mettre dans cette Fleecy Box. Ah bah oui, voilà. Et mais c'est les vrais Inferno Mines, du coup, tu vois. Ah bah là, voilà. C'est l'Inferno Mines. Ok. Ah bah voilà, le style de la victoire, voilà. La potion vide de la victoire. Et sur ce, bah, notre phrase habituelle. Donc, salut à tous. Portez-vous bien. Et va te faire enculer, Brie. Ouais. Va te faire sodomiser par un poney en rut. Oh, merde. Bon, bah, on va mourir.
Oh là là. Oui, tout le monde.